Mesdames et messieurs, bonjour et heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes récepteurs, devant vos postes téléviseurs, devant vos outils qui vous permettent de suivre nos émissions devant vos radios 107.6, euh, radio iWeb et surtout, notre portail numérique www.iWebRDC.com ou na YouTube, na iWebRDC. Mesdames et messieurs, c'est bel et bien votre humble serviteur Jos qui vous présente, qui a l'habitude bien entendu de présenter cette émission, Colomboca, une émission de grande envergure, euh, magazine Yabana Moka, Plateau à vérité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il n'est pas présenté, déjà comme il est habitué. Il y a émission, oh, il y a plateau, oh, il y a vérité. Monsieur Lazare Nando, analyste polyvalent, nest pas, plateau, il y a il Bonjour, monsieur Lazare. Bonjour, Dios. Et c'est moi qui vous invite na plateau, il y a vérité, il y a un magasin, il y a Plaisir partagé, plaisir partagé. Merci et puis merci beaucoup parce qu'on aurait quand même euh, invitation. nalobaki ntango nyonso okobengisaka ngai nakoyakaamwi ke ozwa injonction oke obengaka ngai lisusuwananakoyaka uh, te ma bandeko nyonso bozalki kolanda soki jos ainvite ngai te na ye te seke bayebisi ye naya lisusu te maisnayebike bakoki koyebisae bogowakomana niveau wanaté balobabogopace ekoki pekokomadioa sur quand mme mayéle nayo na ba analyse nayo

euh, apport de la presse dans la politique et dans la société. Et nous allons aussi parler de l'importance de la communication politique et sociale. Et aussi, euh, actualité de l'air, rentrée parlementaire, installation, il a bureau d'âge. Et surtout, sport, RDC, ils ont qualifié pour la demi-finale. Déjà, tout pour côté tant que congolais, il y a père et de mère, et il y a, a pères et de mère de, de femmes et d'enfants et d'enfants ouais. euh, il fallait le faire il fallait le faire vous savez nous qui n'avons pas encore 50 ans nous rêvons mm -hmm. de, de voir notre pays euh, remporter une coupe d'Afrique des nations Chanete na le chanete. yase yase

erooyo lokola baséri mosusu ya kala wana ezalaki awa tobeta machao banganga moko baza pemben biloko wana nzambe kaka lokolaedetiai lokola hef de letat atiaki mboka na maboko na nzambe tokende kaa na lolenge wanaetogane bato batondi na bamarabu ebele na west afria wanasonde marabu le araboutae ab la ratiuea biso nzambe na profete ma mo a lobaki keno azomona ke guine ndi mte okende finale atent ke bapaye bele okende final ma amonaki rdc time kaka peango a lobaki rdc Je crois que c'est encore un sujet qu'il faudra encore développer dans oui, les oui, 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 oui. Parce qu'il y a trop de prof... fausses prophéties dans, de, dans ce pays. Trop de faux prophètes qui disent des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Je crois que vous devez aussi voir. Euh... Dans ce sens-là, en tant que analyste polyvalent, on peut encore parler de, de ce genre de, de sujet la fois prochaine. Très important, mais c'est Ngandou. et puis euh, félicitations, la demi-dieu chancelle même la justice de Dieu Yana. Donc, euh... oui, je crois que nos musiciens sont, doivent être en train de, conce de, de concevoir quelque chose dans le sens là, mm -hmm. la justice de Dieu, justice de Dieu Yana. Je crois que ça sera un titre d'une chanson. Certainement que nos musiciens doivent être en train de

non la RDC, dans la Mémé, ba ba Bomi, il y a un pasteur qui se tient là, bani a dit Merci Jésus Non, non, non. Vous faites le fétiche à côté, vous prenez Dieu à côté. C'est pourquoi le match de la Tunisie, il est Katanaka. On avait la meilleure équipe sur terrain, mais malheureusement, il y avait des pratiques fétichistes que l'on associait à la volonté de Dieu. Ça ne marche pas de pair. On a vu le... Bon, je ne vais pas citer les gens, mais qui faisait le fétichisme à la télévision nationale. C'était pire. Et c'est autorisé aussi C'était pire. C'est le pire des moments de notre sport. Ce jour-là, le jour que nous avons fait match deux buts partout contre la Tunisie. Tout était possible. Tout était possible en ce moment. Tout était possible ce moment. Parce que nous vivions dans le désordre. Maintenant, les choses sont en train d'être quand même ordonnées. Très bien, mais c'est la zangande, en tout cas, tu mec, tu as moi, parenthèse, parathe, puis tu as fait c'est le bêta ma solo et tali press. Apport, Nini, Oyo, puis ceux qui ont sango, tous ont un pour la politique, apport, il y a presse dans la politique, apport, en fait, il y a na médias dans la politique, parce que le Oyo, ils ont un message, mon diffamatoire, ils ont un message, mon source, y a xénophobie, ils ont un message, mon source, y a haine ou ils canaux télévision, et puis ils ont Est-ce que la politique, ils ont considéré une presse Et qui ont un sens À la politique, la presse, et la sociale. D'abord, est-ce qu'il y a encore une presse au Congo Il y a des cas d'exception. Il y a des cas d'exception. Est-ce que ceux qui s'appellent journalistes marchent concomitamment avec l'évolution de ce qui se passe dans ce monde-là. Un petit exemple, pas plus que la semaine passée, mm -hmm. le jour de l'investiture du chef de l'État, lorsque le chef de l'État sort, son véhicule ou bien son, son cortège sort de la cité de l'OIA et qu'il y avait... Euh, des caméramen, il y avait un hélicoptère au-dessus qui prenait des images, qui transmettait des images par satellite. Quels étaient les commentaires le commentaire de celui qui était au micro Ça, ce n'est pas du journalisme. Vous pouvez nous rappeler le commentateur en question Je connais pas. Je co ce sont soit des commentateurs de la, de la RTNC. RTNC. De la RTNC. Vous pouvez reprendre l'image et voir. Moi, je me suis dit, mais je suis devant quoi là un journaliste, c'est quelqu'un qui doit avoir la culture générale. Regardez quand il y a le Tour de France. Suivez bien le reportage quand on fait le Tour de France. Lorsqu'on arrive à un certain endroit, on vous explique l'histoire de cet endroit-là. Si c'est un château, on vous dit que ce château a été construit en telle année, sous tel roi. Ceux qui y ont habité, ce sont de telles personnes. S'il avait été vendu, c'était vendu à telle personne. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce devenu l'histoire. Mais ici... Le chef de l'État sort de la cité de Loiyan. On nous donne même pas l'histoire de la cité de Loiyan. Comment ça a commencé Comment les chefs d'État <laughs> habitent là-bas On nous dit rien. Chanique Metal non plus. Oh non, on arrive au niveau de l'éléphant. Tout le monde connaît seulement qu'il y a l'éléphant au niveau il y a un éléphant au niveau de, 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 de au niveau de, Chanique au niveau du Métal. boulevard là, de, de Chanique Metal. Qu'on nous explique un peu comment l'éléphant là est arrivé là, qui l'a fait. Non. Ah ouais. Ça, oh, whata là, asalikoya, asalikoya, mana mana malamu, ah bon. Non, ça non. non, non, non. <laughs> Non, ça, ce n'est pas du journalisme. Okay. Alors, l'apport, vous, vous me posez la question de savoir, l'apport de la presse dans la politique. Quelle politique Parce que tout le monde, presque tout le monde, les journalistes ont inventé un terme. Ceux qui s'appellent journalistes, hein? peut-être qu'ils s'appellent abusivement journalistes, ils ont inventé un terme, le coupage. Est-ce que vous connaissez le coupage C'est ce que ça veut dire dans la presse dans les journalistes et Dans, dans l'exercice du métier ici C'est un terme que nous tous, euh, on utilise partout. Coupage des années. Tous... C'est quelque, quelque chose de quoi de Pourboire ou bien euh, frais de... et Un journaliste doit vivre d'un pourboire. Ou bien un journaliste est un homme respectable. Un journaliste, ce qui au pays, au commun à micro, matériel opposé à Awa, il faut que tu aies aux journalistes au qu'on pose ma question, et là je vous dis que la meilleure interview c'est celle qu'on n'a même pas préparée. qui n'a quitté terrain à interview, dans je ne prépare pas avec la personne. Je lui donne seulement le thème de l'émission. C'est fini. Le contenu ça dépend de mes questions que je vais lui poser, mais en harmonie avec le thème. Est-ce que ceux qui s'appellent journalistes aujourd'hui, qui passent sur les plateaux de télévision dans les studios de radio, lorsqu'ils passent là-bas, est-ce qu'ils sont à mesure de poser des questions à leurs invités, mais il y a des invités et recevoir que... des vraies informations Il y a aussi des invités qui, qui nous interdit même de poser, ne me posez pas telle question, ne me pose pas telle question. Monsieur, et... si c'est devant moi, Lazare, je ne vous reçois pas dans mon émission. Vous ne pouvez pas venir me dire ce que moi. Je dois dire de vous. Ti kangai na yekoluka e formation pour instruire la population qui nous écoute. Baye ba makambonini ezali koleka yo ezali ko tunangai oyibi na ko po na odini oyibi ou bien to yoki ko oyibi na ce qui effectivement ezali bongo par rapport à ce qu'on a appris. Yo komi ko isa nga bo tunanga mituna wana te. Mais non, la population sera instruite comment L'information d'abord, quel est son rôle? L Information, c'est de réduire l'incertitude, de réduire ou bien d'éradiquer l'incertitude qui est dans le cerveau. Soit qui s'y naïe n'a pas n'a posé au question. toyo yo bisangai oyo esengeli to Est-ce que incertitude wa ne Un journaliste, journaliste c'est quelqu'un qui

Là, tu deviens quel genre de journaliste Vous mais vous savez qu'il y, y a aussi des, 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 des hommes politiques, des grands, euh, des grands hommes politiques, où il y a tout des questions, des questions qui ont des à des gens qui des questions. Tu es un musicien, un homme politique, qui a posé des, On des questions avant de répondre à une question. On dit bien. Ils manquent de respect ou quoi Ils manquent de il respect envers les journalistes. Vous voyez, vous avez dit parce que le journaliste-là doit avoir négocié déjà avec lui au départ, à Mbongo, dans il n'y a Des fois, il y a des invités qui vous disent « Les gens ne sont pas bien, Il commence à diriger, à orienter le journaliste. Non. Le journaliste est là pour rapporter ce qu'il voit. Dans ma langue, le journaliste est là ça c'est dans ma langue, dans ma langue. Donc, journaliste Azali dit Oyo allo Oyo ye amoni. Dans un terme couleur. Vous savez comment? Ceux qui amoni, akoya allo beli amoni, allo linge moko boye, le linge a coco. Mais le linge a corapporté effectivement, ce que lui a vécu, ce que lui a vu. Ce qui sikoyo journaliste a commis. Koukende, Kolanda, politicien, asima. Oh, locaux, attention, mon ami, colo, les gars, oh, gardez un katumbiste gardez un faillulist, de un ségédiste. Monsieur, vous détruisez le métier. Est-ce que vous détruisez que... la profession? Il peut, être, il peut être aussi attacher de presse. Un travail pour euh, pour une entité quoi? Écoutez, travailler pour une entité ne veut pas dire masquer certaines choses. Non. C'est pourquoi moi je suis contre. Un journaliste qui se fait embaucher comme attaché de presse de quelqu'un. Je ne dis pas d'une entreprise, de quelqu'un. Les attachés de presse en principe devraient se retrouver dans les entreprises, institutions. dans les institutions. Dans Ce n'est pas à côté d'une personne politique un attaché de presse. Attaché de presse de qui Le monsieur va commettre des bêtises, il va détruire les vies des enfants. Toi tu dis non, moi je suis attaché de presse. Attaché de presse de qui Non. Le mot attaché de presse, c'est beaucoup plus réservé aux institutions, aux agences, aux structures bien, bien, bien organisées pour rapporter les informations de ce qui se passe de l'autre côté aux journalistes ou bien aux médias ou bien aux organes de presse qui en ont besoin. Mais exactement, attaché de presse, il y a Jos. Jos Kanzate. Ça, c'est... Ne pas euh, connaître le sens même du mot attaché de presse ou du journaliste. Il y a des politiciens, parce que nous parlons aussi de l'apport de la presse dans la politique, il y a des politiciens qui ont leur chaîne de télévision, de radio et tout, tout, tout. Mm. Est-ce que ce n'est pas automatiquement, ou bien par défaut, vous êtes du journaliste chez lui et il vous interdit de parler peut-être... Je vais vous autres... choquer, je vais vous choquer. En 2007, moi, j'ai refusé de travailler. Dans une grande télévision. Ici à Kinshasa. 2007. Ça fait 17 ans. J'ai été sollicité, j'ai refusé. Catégoriquement. Pourquoi Parce que il y avait une. Euh, disons, leur ligne éditoriale était, était une ligne qui avait un penchant. Un journaliste n'a pas de penchant. Un jour, même la chaîne de télévision Je dis bien, un journaliste n'a pas Alors de penchant. De la, de, de, du journaliste. Moi, on m'appelle. Je dois travailler dans une télévision où on m'amène une dépêche non traitée, on me demande dans un journal télévisé ou radio, euh, un journal parlé, de pouvoir le diffuser comme tel. Je ne ferai jamais ça, moi. Je ne ferai jamais ça. L'information, c'est ce que je vois, je traite, je, je constate, je vérifie que ce qui est dedans est vrai, je diffuse. Parce que la population doit être informée des faits réels qui se sont

au début des années 2000 au début des années 2000 il y avait les Jibé, il y avait les Wera il y avait les Kofi, il y avait les papa Wemba tous avaient des conflits papa Wemba Kofi Olomide Jibé Mpiana Wera son na ba oyignane longo, Olomide ba conflits et kimingi. c'est ce qui fait que on a recruté des jeunes gens avec la prolifération des médias au Congo c'est que je déplore encore et que les démocraties occidentales appellent démocratie euh, 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 liberté d'expression on a donné à ces jeunes gens-là la possibilité, il y a que les Canabamédia qu'on des bouzobas on a vécu des choses terribles ici ça a même influencé nos musiques suivez les musiques les musiques de la RDC des donc toutes les musiques des musiciens excusez-moi la tautologie, des musiciens congolais, de la RDC au début des années 2000, jusqu'à un certain moment vers euh, 2017, peut-être que c'était en train d'ailleurs de, de se perpétuer ici, les contenus de ces musiques-là, c'est quoi C'est de l'obscénité C'est des injures C'est beaucoup des choses. Ce genre de choses En quoi, quoi cela a-t-il hein servi Et, ben Et voilà ceux qui s'appelaient des journalistes à l'époque, entre guillemets, qui... Prenez ces choses-là et qu'ils les amenaient sur la voie publique devant le micro. Non, le micro, c'est un lieu sacré. Être devant un micro, c'est-à-dire que vous êtes un professionnel, vous êtes euh, quelqu'un de respectable. C'est un respectable. Mais ce que vous avez respectable était...

<truit> et mauvaise éducation, il y ait, le et il y a plateau de télévision. Est-ce que Peut-être euh, ça... peut -être, peut -être, il y a des qui sexuellement transmissible comme un monétisé, quoi, et comment monétiser? Bah point. à français, rectorie, puis voilà. Ça a moins de parler. Voilà. D'ailleurs, je vous informe que 90% des gens qui ont le utilise et 90% de ceux qui s'appellent journalistes aujourd'hui en RDC, le sens est bel et le mot est bel. Il y a sémantique dans la classe. <laughs> la sémantique, c'est la science là qui permet d'associer le sens à un mot qu'on utilise de connaître, de rechercher le vrai sens du mot qu'on a utilisé ou la signification des mots. Alors, si quelqu'un ne sait même pas dire que la politique est l'art de gouverner, pour n'aillez politique, c'est ça, à à la télévision, à politique on a Peut-être. Le mot peut politique. Attends, le... science, science politique. Non, et non. non. Et un, et journaliste, ça, voilà un journaliste. Voilà encore un journaliste. Je parle bien de la culture générale. Quand on vous demande la mer morte se trouve où, vous savez situer la mer morte. Vous êtes en géographie. Mm -hmm. Quand on vous demande euh, qui est le premier, euh, qui, qui qui sont les premiers habitants de la RDC, vous savez dire qu'ils sont des pygmées. Si on vous demande c'est un journaliste, ça, ça ça un journaliste un polyvalent, c'est pourquoi moi je me définis comme un analyste polyvalent. Très bien, monsieur, monsieur Lazare. Et c'est pourquoi je vous demande que la Mandou? prochaine fois, que mm -hmm. ça soit un peu axé sur la religion, pour qu'on parle un peu religion. C'est bien, nous allons parler... La semaine la passée, passée c'était la politique, aujourd'hui c'est la presse, demain, ça sera la religion. La religion. Mais c'est là qu'il euh, l'importance de la communication dans la politique aussi, ou bien l'importance de la communication dans la vie sociale. Parce qu'aujourd'hui, euh, communiquer, est un problème marquant, surtout même dans les partis politiques, ou bien dans la politique, il y a des gens qui pensent que c'est un problème de la et qu'il place publique, mais ils ne comprennent pas que c'est une question de qu'il y est-ce que euh, communication et un impact dans la vie sociale, tout ça? Dans la communication, il y a trois choses. Hmm. Il y a l'émetteur, il y a le récepteur, il y a le message même qu'on doit diffuser. L'émetteur, le, le récepteur et le message qu'on Oui, il y, y a trois choses. L'émetteur, le récepteur. C'est entre les deux qu'il y a communication. Maintenant, qu'est-ce qui se communique C'est le message. Le message, oui. le message qui est là, c'est quoi Le message, c'est comme un couvercle de l'information qu'on doit donner. Pour que, soit pour que la communication soit efficace, il faudrait que les deux s'entendent. Même sur les sens des mots, c'est pourquoi je n'ai pas de la sémantique, même sur les sens des mots qui sont utilisés dans l'information qu'ils qu se livrent. Parce que une, une communication qui n'a pas atteint son objectif, c'est-à-dire qui n'a pas réduit l'incertitude, sur un sujet donné, sur lequel les deux interlocuteurs étaient en train d'échanger, ce n'est pas une communication. Les autres mots on a réseau. Les gens la télévision, Nasa communicateur, communicateur. Ok, au locotybilo qu'on a réseau social, on équipe la télévision, on équipe la radio, on le dit communicateur, communicateur et zani. À partir de quel moment le mot la communicateur est à jargon politique congolais À partir de quel moment on a ça commun... communicateur. À à communicateur est un Communicateur, Communicateur est un communicateur communicateur, Il un communicateur. Il y un communicateur. Il y a un journaliste. Parce qu'il a un journaliste. Il se cache derrière les petits mots-là. Il se bombe le torse. Il dit non. un communicateur. Quel communicateur Communicateur, il communicateur. Qui a maîtrisé l'art de communiquer parmi eux-là quelle information, quel est le message, quelle information, est contenue dans le message qu'ils doivent communiquer? Qui sont leurs interlocuteurs? Qui sont leurs vis-à-vis euh, -vis dans ce qu'ils donnent comme communication entre guillemets? C'est grave. Peut-être c'est la population et, euh... et l'insécurité de, de la population est, est réduite. ba misu c'est quoi la communication ézawé? Il y avait même des prophètes qui ont prédit que non. Euh oui, c'est pourquoi j'ai dit que, <laughs> que la prochaine fois que ça se qu compare de un peu de ces prophètes, des de prophètes, des prophètes, tous les prophètes confondus. Moi, je parlerai de tout. Tokoyéba, Soki, Baza banani, Soki banani, Soki banani. Mais ça sera la lumière de la Bible. Toko a Bible awa, ouah. Toko le ba prophète nzamba le big mais yo le big boy, pona ni le big boy. Ekokani, Soki ekokani, d'accord. Toko bêtele ma boko. <laughs> Très bien, Monsieur est Lazangando. Est-ce que euh, le l'olenge yako 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 informer ou bien yako co communiquer? Ah? Hein? Et 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 ça la base dans mon cas c'est ça la penser nini pour moutarder information bien, mm. à sa so communication bien. Mm. Il faut le l'olenge ni journaliste a recueilli que ça les langues. Le journaliste ah, doit respecter euh, ses mal. Il principe. faut le parler bah français bien. Té té. Dingle bien. Té. C'est vrai que le langage, il faut bien faire l'écoute Mais d'abord, il doit avoir la culture générale. Aïeba, journaliste, c'est quelqu'un, qui alobaka oyo amoni akende au-delà de la camboana, micro delà jos la camboana, au-delà de la camboana, a delà deux ou trois jours avant, na n'a kende okay, epa naye pour verifie soki eecivemeokemba okay, bazangungu ares yei koyebia no, bate akeai bazangungu ake kosombela bino kwana abapome de terre aarozmona ma mm. soki averifie linformatio te aikakaos oh, akei bazangungu pe alikiwana nasalue jos na bazangungu ayebitekejo aza na bazangungu

s'il n'est pas en mesure de vérifier cette information-là, qu'il se taise seulement. Parce que ce serait qu'au mosala de ça, pas pensé Pamba. Très bien. Et puis, à ce qu'il peut, Moussala n'a pas participé sur tout ça. Pour qu'il n'y ait pas conflit. Un journaliste... J'ai étudié un poète un, un poète, euh, un poète euh, malgache, Jacques Rabé Mananjara il y a un texte que nous avons, eu, je crois, en cinquième ou troisième littéraire, je me rappelle, le poète. Le poète en des jours sacrés vient préparer les jours meilleurs. Je, 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 je transfère ça. Je transpose ça sur le, le, le journaliste. Le journaliste en des jours impies vient préparer le jour meilleur. Il a fait un travail sur la, les médias, euh, l'influence des médias dans une société en crise. Nous avons une guerre aujourd'hui à l'est de notre pays. Nous avons l'insécurité là-bas. Nous avons l'insécurité à Kinshasa. Qu'est-ce que les journalistes font Deux, à RDC, contrat, y a, y a bas Zolanda, on a renégocié le contrat Chinois. Est-ce qu'aux a des à À part la RTMC. On a le contrat, on a 7 milliards de dollars. Et commis jusqu'à 7 milliards de dollars. Et on dit que la majorité de cet argent, le, tout l'argent-là, principalement, doit être affecté à la construction des routes d'intérêt national, c'est une grande nouvelle. Yo lundi mais bazaré comme bien un journaliste. Journaliste, journaliste c'est un nimi. Y a Koloba Makamba, y Malamute, quand y a Koloba Kenon, qui s'est géré fufu. Pour vous, ce Pernelier, c'est tout ce qu'ils savent dire à la télé, à la télévision. Voilà la radio. Et c'est ça, ce n'est pas ça le journalisme. Vraiment. En tout cas, mais c'est la sangue de Tokomo kene na suka moi, je dis souvent que non. Moussa la Busso, to benga ngom metsi mon noble meto yeba ndegeni na ko salela ngolele oyo entre Busso ba la presse, ba guerre Pekomi, ba to brouer, ba to ba ta musicien, Ça ne devrait même pas exister. Les ou journalistes devraient être soudés. Des... Ce n'est pas vraiment... Ce qui nous motive, c'est l'objectivité. C'est ça, vraiment. Ce euh, qui malamou... Kout, mm. y a, ces dérapages là. Et que l'étudiant bah, va bah, quelque part à l'IFASIC, à l'UNIKI ou quelque part. Je préfère que bah, interpeller Bango. Bah, Bango, carte de la presse. Encore faudra-t-il, encore qu'il faut bien arranger le monde de la décorporation, de l'UNPC consort. Il y a trop, trop de... De, de copains des copines dans de, de, de ces choses-là, qui ne savent que se couvrir. L'exemple le plus frappant, c'est lorsque j'ai vu un journaliste aller accuser un autre pour des faits avérés, mais il y a un autre groupe de, de, de soi-disant journalistes qui ont créé une association là-bas, c'est des journalistes. Alors qu'il y avait une possibilité de régler ça calmement. Même à la justice, les choses peuvent toujours se régler. Mais à Aubamonique, non. Ils prennent le parti pour protéger quelqu'un qui fait mal. Regardez le, 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 le procès de Boujakera. On vous dit que monsieur a livré des fausses informations. Les gens commencent à vous dire, surtout les médias occidentaux et consorts, veulent nous faire croire que le monsieur n'a rien fait alors qu'il a diffusé des fausses nouvelles. Est-ce que chez eux, ils peuvent accepter que l'on diffuse des fausses nouvelles Mesdames et messieurs, euh, l'émission bah, Colombo ka, oh, yo, yo, plateau, il vérité, puis ça y et Si vous voulez passer dans cette émission, simplement appelez plus de 243 82 037 99 13 ou plus de 243 89 15 51 731 ou bien vous sollicitez dans euh, na na bureau à Iweb, on comment faire pour passer dans cette euh, Grande émission, c'est grand concept, Bakolo Mboka. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas aussi euh, mettre à terme à cette émission sans souhaiter euh, euh, un heureux anniversaire, anniversaire à messieurs le directeur Amsine Selemani, Jean-Pierre Oyoazo Fete, 77 ans d'âge, 77 ans d'âge papa, il y a Cédric Amoussini, Landry Amoussini, euh, messieurs, Selemani, Amis Amoussini, Jean-Marie. On vous sept ans, d'anniversaire. En tout cas, Nzamba Ape Apesayo Makasi. Et quant à moi, je ne peux toujours vous souhaiter que du bonheur. Papa, Jean-Marie Amoussini, Sélémanie, directeur. Euh, en tout cas, Oyo Yebi. Euh, euh, directeur des études euh, Amsini en tout cas le robot souhaité euh, anniversaire à lui Nzambe à, -mikolo et à pour sa sous-micolo et Belé à pour bisoso o lelo et sa grâce Nayope au Pierre Boko na otoza ou nango papa Jean-Marie Amsini Selemani septentata c'est pas facile lelo champagne nabantaba et Koliama Monsieur Gandu Lazare, autres année la plateau à l'élo, tu veux t'amasser solo, oh yo, tu es qui est au déjà dans le bientôt mais quand on crée chez moi d'amour, la rentrée parlementaire, la, la installation à biorodage, pour n'ayons, kakakoukota, bah depuis demain soir moi là en abanou, bah vidéo commune virale, bah quest la boucato bah quest en Est-ce que c'était des vrais Vidéo il a, Oui, il y a des vidéos. Oui, il y a des vidéos. Mais oh je yo. vous ai parlé des montages ici. <laughs> On peut faire un montage ici. Moi, je peux vous prendre maintenant là. De toutes les façons, vous voyez, la technique, c'est qu ce qu'elle fait. Un travail euh, bien appréciable, nos techniciens ici. Ils nous placent dans un contexte où personne ne peut savoir que nous sommes où. Moi, je peux vous placer. Je peux vous prendre ici, vous placez, vous vivez aux États-Unis, vous présentez l'émission aux États-Unis. C'est un montage, non Pour vous, c'est un montage ponanga ponanga ou oh, namo ou oh, namoni wana je suis pas en mesure de déterminer l'authenticité de, de ces photos de ces vidéos là et puis bazungu sibaba député ou mssusu bazaki malheureux bazu bah, 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 poste nabango en ensemble mmh, mmh. ponayo esengona ponabaninga mssusu pe balongo libango et ça bah, bah, mmh. déception la, euh, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante hier soir sur la télévision nationale a annoncé ou bien a annoncé cette décision-là. Alors, cette décision-là a été prise sur base des recours qui ont été introduits à la Cour constitutionnelle. Et à la CENI, on a parlé de l'erreur matérielle. Elle a corrigé l'erreur matérielle. Et on a remis les gens qui étaient qu victimes -ce de, de ce cette erreur matérielle-là dans leurs droits. Aucune, aucune œuvre n'est parfaite, M. Jos Kanza. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Les erreurs sont toujours là. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Nous, les humains, nous sommes des imparfaits. C'est pourquoi nous sommes appelés chaque jour à mener une vie qui nous mène à la perfection. Mais monsieur, la perfection, nous ne l'atteindrons que quand Jésus-Christ va revenir et que nous serons appelés pour le rencontrer dans les airs, selon notre foi. Monsieur, me, monsieur Gérard ma réclame, Mbongonae, Oyo, Angajaki, pour la ville, Azo réclame Mbongonae 400 000 dollars. Est-ce que Angajaki angou individuellement ou bien comment parce que nous allons déjà finir mais s'il si, si, y a un accord entre lui et l'hôtel de ville il a le droit de réclamer qu'on lui se restitue mais s'il si, n'y avait pas d'accord ils savent dans quelle mesure euh, euh, ils peuvent régler ce problème là est-ce ban hmm. Est que c'est important au temps de la place publique les médias, entre, les médias au congo sont décousus est-ce qu'il était important que cette image-là soit filmée, qu'on la ramène dans les réseaux sociaux C'est pourquoi je vous parle des réseaux sociaux. Et je demande même au gouvernement de bien réguler le milieu des, des réseaux sociaux. J'ai vécu dans un pays où, lorsque vous diffusez une seule information sur un réseau social, dans les minutes qui suivent, on vous arrête. Si c'est une information qui porte atteinte à l'intégrité physique d'une personne, à sa réputation ou à la sûreté nationale. J'ai vécu. Donc, il y a des mécanismes pour contrer ce genre d'informations pour qu'elles ne soient pas diffusées. Pourquoi ici en RDC, on ne peut pas le faire? Pourquoi ici en RDC, on ne peut pas le faire? Et on doit le faire. S'il vous plaît, épargnez-nous de ces choses-là. Ça détruit notre pays et la visibilité de notre pays est écornée.

Très, très, bien. Bien. Na, pa, très bien, mesdames et messieurs, euh, ça ne finit pour aujourd'hui euh, l'émission Bakolombo. Car vous êtes nombreux, vous êtes nombreux la Abysse, dans le Kenya, dans le Pacifique, au Togo, dans diaspora au Kenya, dans la télévision, dans la Abysse. C'est vraiment très 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 important. Nous les saluons autant, vraiment. Et partout dans le monde, vous êtes dans la Belgique, <laughs> la France, partout, le Congo, le via euh, iOS via YouTube, via radio, iWeb 107.6 nulle par ailleurs, et Je ne peux pas aussi finir cette émission sans remercier M. Benjin au la main régime, t'as certes tout ma et puis Franck Kumba à notre DT. Merci beaucoup Naeli, Eli, Dieu na dénu, Bino Merci na Nyonso rapidement M. Non, je demande à tous ceux qui s'appellent journalistes de cesser avec des bêtises à la télévision. Non, vous, faites, vous commettez trop d'erreurs d'appréciation, trop d'erreurs d'éthique, trop d'erreurs professionnelles, et vous vous appelez journaliste, vous, dé, vous détruisez ce métier. C'est un métier qui est appelé à être noble, un métier dans lequel ceux qui sont appelés à exercer doivent avoir la culture générale. Dans tous les domaines, vous devez avoir au moins des prérequis passez plus jamais à la radio pour nous faire part de vos bobards que vous êtes en train de diffuser à longueur des journées, du matin au soir. Merci. Merci beaucoup. Euh, je mets terme dans cette émission. Euh, on se retrouve dans le numéro de Asika. Au revoir. Merci.